Bonjour, bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens. Je me trouve en compagnie de Monsieur le maire qui va nous présenter la 555e édition de la Foire aux Arbres. Bonjour. Bonjour, et bien oui, effectivement, c'est la 555e édition de la Foire aux Arbres et aux Plantes de Lisieux. Cette année, elle est placée sous deux signes. Le soleil, ce qui est formidable. D'ailleurs, il y a des citronniers derrière moi, ça montre bien que c'est signe de soleil. Donc, et puis, placée également pour la première fois sous le signe d'atelier. Atelier récolter les graines, bouturer, greffer, parce que le thème de la 555e foire, c'est semer, bouturer, greffer. Puis peut-être aussi avec une pensée, parce que c'est important de le dire, pour Jules Audin, qui est né en 1819 à Lisieux, qui a été un grand horticulteur pépiniériste à Lisieux, maraîcher, qui a créé la Société d'horticulture en 1866 et qui en 1878 est allé pour la première fois à la Foire internationale de Paris, où, vous allez me dire comment il a fait, il a emmené quelques 40 000 arbres de Lisieux vers la Foire internationale de Paris, c'était à Paris. Donc une 555e foire qui est placée sous le signe de la pleine réussite avec ce temps exceptionnel pour un 1er mars. Et puis également toujours la participation des jeunes de la SECPA de Michelet et des jeunes également de la maison familiale de Blangy-le-Château qui sont là pour faire le taxi-brouette et permettre donc aux acheteurs de pouvoir regagner leur véhicule et déposer leurs achats. Et puis également peut-être dire que cette année c'est la première fois, pour éviter les petits ennuis de chapardage la nuit, eh bien nous avons fait le choix d'une sécurisation maximale avec une sécurisation, un gardiennage avec des gens qui sont motorisés pour éviter qu'il y ait trop de fraude durant la nuit. Et puis également peut-être dire que cette 555e foire, eh bien si elle existe, c'est grâce aux quelques 150 exposants qui sont ici, c'est 80% à peu près des habituels, et puis grâce aussi aux différents services de la ville, services fêtes et cérémonies, communication, droit de place, services techniques, sans lesquels eh bien, cette foire, 555e cette année, ne pourrait pas avoir lieu. Donc un grand merci à toutes et à tous, et puis surtout merci au public qui est là, nombreux dans les rues de Lisieux, et qui apprécie ce soleil qui nous a été envoyé par le ciel, peut-être. C'est peut-être Sainte-Thérèse qui nous l'envoie. Après tout, j'ai vu que les rosiers Sainte-Thérèse, il y avait encore l'affiche, mais il n'y avait plus de rosiers parce qu'ils sont tous vendus. Et justement, quel est le programme des deux jours à venir ? Alors des ateliers à l'espace Victor Hugo, avec un atelier collecte de graines, un atelier semis et un atelier bouturage. Et puis également possibilité pour les curieux de voir les élagueurs, également dans le jardin public, et ceux qui ont envie de marcher en pleine nature, surtout si le soleil demain est de la partie, eh bien ils ont la possibilité de circuits pédestres de 12, 15 et 17 km avec un départ à la serre hollandaise non prédestinée à l'entrée du jardin public en venant par la cour Matignon. Et puis il y aura demain, eh bien entendu, demain soir, le pot de clôture de cette 555e foire, même si elle continue lundi. Et puis exceptionnellement aussi, c'est la première fois cette année, toutes les personnes, plutôt toutes les femmes qui ont un prénom de fleur, camélia, anémone, etc., peuvent retirer un lot. Elles sont gagnantes à condition que le nombre de lots ne soit pas épuisé. Il y a aussi la patinoire qui s'est installée ce matin. Oui, eh bien la patinoire, c'est la 8e année qu'elle existe, place Mitterrand. Elle est ouverte depuis ce matin, c'est la coïncidence, le même jour que l'inauguration de la foire aux arbres et aux plantes. Donc ça montre bien que Lisieux est une ville qui se veut animée, dynamique et en plus aujourd'hui ensoleillée. Alors qu'avez-vous acheté aujourd'hui à la foire aux arbres ? Vous voyez, des primes vertes. Vous êtes un habitué ? Oh, on vient faire un petit tour tous les ans, oui. Mais bon, grand jardinier, peut-être pas, mais on en profite, hein, suivant les prix, quoi. Puis il fait beau en plus aujourd'hui. Qu'avez-vous acheté aujourd'hui ? Un lilas violet à double tête. C'est la première fois que vous venez à la foire aux arbres ou vous êtes des habitués ? Non, c'est la première fois. Alors qu'en pensez-vous ? C'est très joli.
Vous avez fait le petit tour là depuis ce matin ? Depuis tantôt, oui. N'hésitez pas à venir parce que vraiment vous avez toutes les variétés, tous les exposants, les conseils bien sûr. C'est la période, c'est la bonne période en espérant qu'il n'y ait pas de gelée. Donc à tous, n'hésitez pas. Nous reviendrons déjà demain puisque donc ça se poursuit encore demain toute la journée. Et puis on a repéré 2-3 petites choses, donc on sera équipés certainement. Demain, la route pour la Paris, ouais. Voilà, la région parisienne. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur. La Foire aux Arbres se termine le lundi 3 mars. Retrouvez-nous sur Facebook et YouTube en tapant TV Lisieux. Merci et à bientôt sur la Web TV d'Elexoviens.